Moi salue la presse qui là. Moi c'est Ville, c'est Nancy, coordonnatrice adjointe Mouvement en avant. Et moi salue très très spécial coordonnateur national Mouvement en avant qui c'est Jerry Tardieu qui va fixer position sous référendum non, avec sous crise qu'a brassé Ville pays. Nous tous connaissons. Il y a trois façons pour changer une constitution. Ou bien suivre sa constitution prévoit dans le texte li. Ou bien on a un consensus dans la société, société civile, force organisée, parti politique, même si ça a été fait au Chili il n'y a pas longtemps. Ou bien c'est après une révolution, une guérilla, une la guerre, une dictature, qu'on peut décider qu'il prend le bail tête et l'autre moment loi pays. Aucune de ces trois conditions ne sont pas réunies pour justifier. Il y a une nouvelle constitution dans le sens que vous voulez passer le jour aujourd'hui. Sous question de la nouvelle constitution, bonne clé à la papote. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. Jovenel Moïse choisit pour contre lui cinq amis qui travaillent son texte avant projet constitutionnel, sans pas jamais dire nous qui est-ce que vous consultez comme expert et comment vous arrivez à texte qui est longé par nous, journée et jour. Vous pas représenté le secteur vie national. Les nouvelles en moué, nous m'a dit comment vous pouvez valider le travail ça. Vous dit nous, pour avoir une consultation en après, plus pour avoir un référendum. Nous tous connaissons un référendum inconstitutionnel. Et nous tous connaissons que CEP qui a réalisé le référendum, monté derrière de la loi. Il n'a pas assez devant la Cour cassation. Il a dépensé l'argent de l'État. Ça veut dire qu'il a dépensé presque plus que 10 millions de dollars pendant que les policiers nous ont pas touché, les professeurs nous ont pas touché, les infirmiers nous ont pas touché. Et nous avons besoin d'argent pour nous faire payer à vivre dans la dignité. Processus ça, pas quoi de sous forme que le prend. Mais dans ce sac là, dedans, l'IPLED toujours. Article 139 et article 167, nouveau constitution Jovenel Moïse à clé. Aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État et ses ministres pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Même le gain trois paragraphes en article ça, même de phrase ça seulement, assez en lui-même pour laguer Haïti dans tout pendant les 50 prochaines années. Moi, entendez, un ancien président dit nous hier que la constitution ça, il a été fait pour offrir avantage à trois groupes de monde. Il parlait de diaspora, il parlait de jeunesse, il parlait de femmes. N'a pas dit l'attention, la constitution, c'est ça fait tout le monde. C'est ça fait toute génération, c'est ça fait toute couche sociale. C'est le vivre ensemble, c'est cohésion nationale, c'est unité, son citoyenneté commune. Ou capable d'un ensemble de lois qui favorisent une catégorie dans la société. Nous avons parlé de policiers, nous, qui besoin nous saluer pour le travail qu'ils ont fait. Professeurs, nous saluer pour le travail qu'ils ont fait. Mais le pays a besoin d'unité, il n'a pas besoin de division. Même ancien président, ça, moi sauté. Moi saisi, l'aime tant elle dit que la constitution Jovenel Moïse pour le permettre diaspora nous en voter. Zanmim Semakfrem dans diaspora k'ap gade m la. M'ap gade nous dans les yeux pour me dire nous. Pas gen aucune provision dans nouveau constitution ça k'ap permettre ou voter dans prochain élection présidentielle yo. Nous même dans la commission, l'article que nous mettons, il y a retiré. L'article ça a été dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ou se bénéficiant de la plurinationalité ont qualité d'électeurs dans leur pays de résidence. Il y a retiré. Il y a dit nous, il y a mis dans la loi électorale. Mais la loi électorale, son bagage qui change. Même gens nous changer chemise, les nouvelles. On loi électorale qui a duré 2 ans, et puis il y a l'autre qui font loi électorale, et puis ils ont tiré droit ou même pour aller voter. Et comme moi,
Jovenel Moïse plus Gary Bosco dans diaspora m'a dit on jouet mesdames qui jouent avec nous parce que pi gros demande que nous te faire yo pas mettre dans la constitution et pour autant que pas inscrit dans maman loi pays a yo ka retirer à n'importe qui le au nom toute société qui pas reconnaître lui dans sa qu'a fait là ça veut dire on piquer devant pour un référendum qui va le mettre dans tête chargée. M'a demandé autorité de facto au fond campé. Stop. Reprenne-nous. Songez Haïti. Songez demain. Force vive pays a m'a font appel à nous. L'île est pour nous faire une vraie concertation pour nous jouer ensemble un accord patriotique inclusif. Tout le monde boit table là, pas de parti politique qui pour exclure. Pas de monde, pas de parti pour mettre de côté nous tous ces haïtiens nous capable bailler même gens. On va sérieux, patriotique, national, on refait l'histoire. On a préféré l'histoire et sous table ça à côté nous gagne pour nous chita. Il y a 5 points fondamentaux pour nous regarder. D'abord, date de départ Jovenel Moïse, mandat bout depuis 7 février 2021. Deuxièmement, il y a un nouveau gouvernement qui inspire confiance. À qui un premier ministre qui inspire confiance. Formation en l'autre CEP que nous avons fait en consensus. Naturellement, évaluation système de malogue là pour nous côté une garde avec système. Ça qui va être sauté. Et très naturellement, nous connaissons que ça quoi le plus important, il faut mettre l'ordre dans les ordres. Ça veut dire, il faut que nous mettions en place conditions de sécurité minimales pour aller plus vite. Dans des élections libres, transparentes, honnêtes, dès que techniquement possible. Et pour qui ça me dit dès que techniquement possible là? C'est parce que y a une hypocrisie dans la société. Nous-mêmes, journalistes, nous m'invitons, nous faisons un travail de recherche. Allez essayer de regarder est-ce que techniquement, il y a une possibilité pour nous faire un référendum avec élection d'ici la fin de l'année. Pour m'aider dans la recherche que nous allons faire, bamba nous quelques informations. Article 7. Dans le décret qui organise le référendum, il y a eu en janvier 2021. Il dit que tout haïtien avec tout haïtienne qui a 18 ans, il doit figurer sous sa yorele un registre référendaire de conseil électoral. Deux mois avant le référendum, ONI a dû transmettre le conseil électoral coupion, les citoyens identifiés. Et c'est CEP à lui-même qui a construit liste. Référendaire ça, côté le bral assigné un bureau de vote à chaque citoyen. Travail assignation ça seulement, qu'après presque 2 mois, parce qu'il faut imprimer liste référendaire par commune, par centre de vote, il faut transporter, il faut afficher dans tout le pays. Ça veut dire que nous avons 6 jours, nous sommes côté 30 avril. Cette date limite pour l'ONI à transmettre CEP, liste citoyen enregistrée. Or, qui ça nous remarque? L'ONI d'accord, publiquement. Qu'elle distribue seulement 3 millions 4. On n'a pas oublié que les Nations Unies estimaient que le corps électoral haïtien dérivait à 6,7 millions. Ça veut dire qu'il y a plus que moitié de population qui est dehors. Sous-côté, on a le plus loin. L'ONU dit qu'il enregistre 4 millions, même s'il bat 3 millions 4. Il fait en 2 ans. Comment est-il capable de faire 3 millions en 6 jours? Bah oui, qui j'en? Au 30 avril, date l'arrivée. On a le plus loin. Nous n'avons technique là. Nous n'avons pas de politique. Nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de chiffre. Nous n'avons pas de science. C'est là nous y est. Et puis nous faisons poser. Dans le mouvement en avant, nous n'avons pas un mouvement qui voulait monter ou bien shooter sous le monde pour rien. Nous avons différents nous à Jovenel Moïse. Nous combattons. Nous n'avons pas continué à combattre. Mais nous combattons par son base personnelle. Nous combattons parce que ça l'a fait. Pas bon pour le pays. N'a combattu parce que le pays a mal marché. Et ça est important parce que techniquement, il faut nous connaître nous-mêmes journalistes, que nous avons des bagages dans la main tout pour nous informer la population. Nous parlons pour nous dire, même si ce n'est pas possible pour le référendum, nous presque arrivons au côté qu'il n'est pas possible pour l'élection. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Problème qui est lié à un référendum constitutionnel que nous dit stop là, c'est lui-même tout qui est lié à problème
élection. Donc, chers amis, solidaires à la société, à la jeunesse, aux écoliers, aux partis politiques, aux paysans, au secteur privé, à l'Église catholique, aux protestants, aux syndicats, aux journalistes, aux artistes, aux musiciens, aux moniteurs, aux professeurs, à toutes celles et ceux qui constituent la grande famille haïtienne, je me tiens devant vous ici au nom du mouvement En Avant pour dire stop à ce référendum. Il est techniquement impossible, méthodologiquement aberrant et politiquement suicidaire. Merci pour l'attention.